Repos. Garde à vous.
Repos. Mesdames et messieurs, chères familles, la France est une nation de passion, de courage, de solidarité. Et elle révèle sa force dans l'adversité grâce à des femmes, des hommes, prêts à donner leur vie pour sauver celle des autres. Ces jours derniers, hélas, l'ont montré une fois de plus. Dans la nuit de dimanche à lundi, trois hommes de courage et d'honneur ont péri. Ils s'appelaient Jean Gara, Michel Escalin et Norbert Savornin. Trois héros, victimes du choix si noble, si élevé, de consacrer leur existence au secours. Trois hommes qui sauvaient des vies. Leur épitaphe pour l'éternité. Jean Gara était un pilote d'immense bravoure et de grand talent. Il faisait partie de ces hommes que l'appel du devoir jamais ne quitte. Âgé de 40 ans, ce militaire, rompu aux opérations spéciales, avait servi la France 20 années durant dans l'armée de l'air, multipliant les missions, les actions héroïques, reconnues de tous. Il avait ensuite choisi, il y a un an, de s'engager comme pilote d'hélicoptère de secours. Ces quelques mois passés sur cette base de sécurité civile de Nîmes-Garon avaient suffi à faire de Jean Gara un visage familier de tous, le camarade que chacun s'honorait d'avoir. Celui qui venait de devenir instructeur pour rendre un peu de ce qu'on lui avait appris était déjà considéré par les plus jeunes comme un modèle de professionnalisme et d'humanité. Il laisse une épouse et trois jeunes enfants, Joseph, Thomas, Martin. Michel Escalin était un mécanicien hors pair. Comme peu de forces de protection civile dans le monde ont la chance d'en compter. Lui aussi, au début de sa vie, avait fait le choix des armes. 18 années durant, il gravit un à un les échelons de l'aviation légère de l'armée de terre jusqu'à devenir adjudant. Voilà une décennie que Michel Escalin mettait ses compétences au service de la sécurité civile, de missions de sauvetage périlleuses, mais qu'il exécutait toujours avec une précision parfaite. C'était aussi un camarade aimé qui prodiguait partout son écoute bienveillante, sa gentillesse chaleureuse, sa joie de vivre communicative.
si bien que tous, ici, je le sais, partageaient avec lui le souvenir d'une mission dangereuse, d'un fou rire commun, d'une discussion passionnée. Nos pensées vont vers sa femme, vers sa grande fille Léa, et vers ses deux jeunes enfants, Lilian et Pauline. Norbert Savornin était de ces hommes dont le secours dans le sang. Engagé chez les jeunes sapeurs-pompiers, aussitôt que son âge le lui permit, ce petit-fils, fils, neveu et frère de sapeurs-pompiers avait su se faire un prénom dans le centre de secours de Marignane, qui vibrait pourtant encore des exploits de son père, Daniel. Ce passionné de plongée était ainsi un des seuls sapeurs-pompiers du département à être capable de procéder à des opérations de secours héliportées en milieu aquatique, une compétence rare sur ces terres meurtries l'hiver par les déchaînements du ciel, l'été par les noyades. S'il servait désormais dans le centre de secours de Martigues, il demeurait, monsieur le maire, une figure de Marignane. Les sapeurs-pompiers de ces deux communes avaient tous croisé un jour ou l'autre cette figure altière d'homme de courage, exigeant avec lui-même comme avec les autres. Il n'oubliait jamais de témoigner son amitié et sa tendresse à ses proches. Il laisse une épouse et deux enfants, Ilona et Matisse. Matisse, qui cultive le projet de devenir, à son tour, jeune sapeur-pompier, comme son père. Ce 1er décembre, donc, Jean Garat, Michel Escalin et Norbert Savornin avaient déjà assuré plusieurs opérations de sauvetage, préservé de nombreuses vies, lorsqu'ils furent appelés pour venir en appui à des pompiers au sol, dans le Var. Les inondations, à nouveau, touchaient ce département, comme ceux des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence, du Vaucluse et de la Drôme, et menaçaient des compatriotes. Et je veux en cet instant avoir une pensée chaleureuse pour les victimes, pour leurs familles, pour tous les sinistrés ainsi que pour les maires des villes et des villages touchés, parfois dévastés, qui ont tenu leur commune unie dans l'épreuve. Ce 1er décembre donc, les pluies étaient diluviennes. La nuit, le vent, le brouillard. La fatigue des corps harassés par des jours d'épreuve. Tous trois étaient à pied d'œuvre depuis les inondations de la fin de semaine précédente. Qu'importe, des femmes et des hommes étaient en danger. Il fallait leur porter secours. Vite, Jean Garat, Michel Escalin et Norbert Savornin remontèrent à bord de Dragon 30. Après une halte technique, ils décollèrent de Marignane aux alentours de 20 heures. Au Luc le Canet, où ils étaient attendus, les minutes passèrent. Interminables. Sans que jamais les couleurs rouges et jaunes de l'appareil ne surgissent dans le ciel embrumé. Puis, au bout de la radio, le silence. Les moyens de recherche immédiatement engagés, plus de 100 hommes, les heures de recherche, l'attente anxieuse. Et vers 1h30 du matin, la nouvelle
tant redouté, tombé. Dragon 30 s'était écrasé dans le massif de la Nerthe. Jean Garat, Michel Escalin, Norbert Savornin étaient morts sur le coup. Morts parce qu'ils avaient fait du dévouement le choix d'une vie, morts en mission pour leurs concitoyens. En ce jour de deuil, c'est toute la nation qui pleure la disparition de trois de ses enfants, tombés parce qu'ils portaient si haut ces valeurs de fraternité, de solidarité qui unissent le peuple de France. C'est toute la nation qui soutient leurs familles, leurs épouses et leurs enfants, leurs proches, et les entoure de son affection. C'est toute la nation qui, fière et forte, se tient aux côtés de la communauté de la sécurité civile, si durement éprouvée cette année par le décès en service commandé du pilote de Tracker Franck Chesneau. Et je pense aussi à tous ceux tombés sur notre sol au combat contre le feu ou lors d'accidents. Toute la nation, oui, qui se tient aux côtés de ces femmes, de ces hommes, qui pilotent, mécaniciens, sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires et militaires, bénévoles des associations de protection civile, font équipage avec les maires et les préfets pour former cette grande chaîne de secours qui soude le pays. Tant d'existences préservées grâce à eux, grâce à vous, sur ces terres du Sud durant ces derniers jours, comme dans l'Aude l'année dernière, en Corse il y a 2 ans et partout dans notre pays. Tant de vies sauvées grâce à ce modèle français de sécurité civile auquel nos concitoyens tiennent et que je ne cesserai d'encourager, de défendre. Vivre pour sauver d'autres vies, c'est votre quotidien, votre honneur. Je ne connais pas d'engagement plus humain. À chaque fois que vous mettez vos casques, à chaque fois que vos hélicoptères s'élèvent au-dessus des nappes de brouillard ou des fumées, bravant les rafales de vent, charriant brandons et cendres, vous affirmez le prix incommensurable de la vie à sauver. À chaque fois que vous partez en opération, prenant tous les risques, vous affirmez la grandeur de la vie humaine doublement, en montrant qu'une vie en danger a assez de valeur pour mériter le sacrifice ultime, et en élevant l'humanité par votre oubli de vous-même, par cette abnégation sublime et rare. Les Français le savent, qui, croyez-moi, vous sont infiniment reconnaissants de veiller sur eux. Nous savons tous ce que nous vous devons. Notre sécurité, notre sérénité, la résilience de la nation, cette force d'âme que vous communiquez au pays et qui fait la France si grande et si robuste, parée pour affronter la rudesse des temps. Aussi, le soutien de l'État, celui des collectivités locales, sera-t-il à la hauteur? À la hauteur de ce que vous apportez au pays? Je m'en porte garant. Nous vous soutiendrons davantage, sapeurs-pompiers, personnel de sécurité civile, en vous protégeant plus, en vous reconnaissant mieux, en valorisant aussi les actes de bravoure. Nous continuerons à investir dans le renouvellement de vos moyens aériens. 2 avions d'âge seront livrés dès l'année prochaine. 4 supplémentaires ont été commandés. Et cette base de Nîmes-Garon sera demain
le fer de lance de la flotte européenne de sécurité civile que nous sommes en train de construire. J'ai une grande ambition pour la sécurité civile, une ambition à la mesure de votre courage, une ambition à la mesure de cet esprit de sacrifice dont vous faites preuve et qui nous oblige tous. Jean Gara, Michel Escalin, Norbert Savornin, entouré de vos proches, je vous fais ce matin ce serment. Vous vivrez. Vous vivrez dans les gestes de vos camarades qui clameront vos noms sur cette base de Nîmes-Garon, dans les casernes des Bouches-du-Rhône, et que la nation soutiendra toujours, comme elle soutient l'ensemble des personnels de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, tous ceux qui ont fait du secours le choix d'une vie. Vous vivrez dans l'esprit des centaines de femmes et d'hommes qu'au cours de votre parcours vous avez arrachés aux flammes et aux flots et qui vivent leurs rêves grâce à vous. Vous vivrez dans le cœur des gens du Sud. À chaque fois qu'ils verront un hélicoptère rouge et or déchirer l'azur, ils penseront à vous. Vous vivrez, à jamais, dans la mémoire des Français, comme les héros qui ont écrit à l'encre du sang versé parmi les plus belles pages de l'histoire de notre République solidaire, fraternelle, et qui sont morts pour elle. Jean Gara, au nom de la République française, je vous fais officier de la Légion d'honneur. Michel Escalin, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Norbert Savornin, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Et je vous élève au grade d'adjudant. Tous trois, vous serez cités à l'ordre de la nation. Vive la République! Vive la France! Garde à vous. Drapeau du 12e bataillon des sapeurs-pompiers de France, sans votre garde, gagnez votre emplacement.
Ouvrez le banc. Monsieur Jean Gara, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Monsieur Michel Escalin, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Norbert Savornin, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Au mort.
Repos. Garde à vous. Drapeau du 12e bataillon des sapeurs-pompiers de France. Rejoignez votre garde. Repos. Garde à vous.
Thank you.